Attends, le Yop, t'es toujours pas parti? Y'a toujours le problème de l'écaflip à gérer, hein, je te rappelle. Ah ouais, t'inquiète, je me prépare. Ouais, ça a bien l'air, hein. Non mais c'est vrai, je me prépare psychologiquement. Psychologiquement? Bah le mode qui contre le feu, c'est forcément l'eau, mais l'eau ça donne des boucliers, c'est pour les enfants. Ah ça, mais t'inquiète, ça fait longtemps que j'ai trouvé la solution. Ah ouais? Et ouais, et tu vas voir, c'est super simple. Si tu tues ton adversaire avant qu'il puisse taper ton bouclier, bah techniquement t'as pas de bouclier. Ah, pas con. Allez, hein, bon courage. Salut à tous, c'est Liop, et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qui n'a clairement aucun sens. Pour tout vous dire, c'est un mode que j'avais pas envie de jouer, étant donné que c'était un petit peu réservé pour les quarts, hein. Vous savez, les boucliers, tout ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et à partir de ce moment-là, c'était n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur un mec qui a 30% de résistance, il se pourrait que pour seulement 3 PA, je lui mette du moins 1000. Pour ce qui est du stuff, il s'affiche à votre écran, et son gros plus, c'est qu'il me donne quand même pas mal de résistance, en plus de me donner beaucoup de statistiques. Allez, trêve de blabla, passons au combat comme dit l'autre. Mais juste avant ça, sachez qu'on vous fait gagner avec Uze sur Twitter la nouvelle CapTube qui va être refonte dans la prochaine mise à jour. La cape est de plus en plus rare en ce moment, donc ça fait toujours plaisir, et le lien est dans la description. Ah, et dernier petit truc, la chaîne secondaire a bientôt 2000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, donc merci à tous. Allez, c'est parti pour les combats. Salut YouTube, on est contre un Ekaflip. Ekaflip, c'est un petit peu la classe qu'on n'aime pas forcément parce qu'elle peut nous taper un peu à distance. Et en même temps, elle peut faire un petit peu mal. Donc c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on va devoir lui courir après. Mais à la fois, c'est pas un Kra qui fait... Enfin, qui fait des très gros dégâts un tour sur deux. Lui, il fait des gros dégâts tout le temps, la pression est tout le temps mise. Et donc le fait qu'on doive en plus lui courir après avec ses bons du félin, par exemple, ça peut très vite mal se passer. On a quand même la petite vitalité, on a quand même les dégâts qui sont là, il a très peu de résis, on en profite. Mais, à tout moment, il peut se passer des choses, bien sûr. Un petit trèfle, ou de la fortune, ok. Le chaton, ok. Alors, il veut se la donner, mais je sais pas si c'était la meilleure des idées contre moi. Alors, ce qui serait incroyable, j'y crois pas trop, ce serait qu'on full crit et qu'on le tue. J'y crois pas trop. Ce qu'on peut faire, mais on va se mettre des petites claques, ce serait quelque chose de marrant. Donc je pense qu'on va le faire. C'est précis, mettre la conquête et double Fandoir. Fandoir, là, déjà de base, va taper du 1300 à 1500 en crit. On va le faire d'ailleurs. On va le faire pour le fun, d'accord? C'est pour le fun que je fais ça par contre. Moins 2000. Moins 1700. Et moins 1800. Voilà! Voilà! Annonce la couleur! Ça va toi? Ça va? Alors, comment ça se passe, moins 1700, moins 1800? Comment tu le prends? Comment tu le prends? Si j'avais écrit deux fois et que j'avais fait un bon jet, il aurait pu se passer des choses, hein. Il aurait pu se passer des choses. Ça fait plaisir, quand même, d'imposer le respect avec des aussi gros damage. T'es très fort aussi, hein, quand même, hein. Que Audace et tout, c'est des sorts à 3 PA, hein, là, qui met sur 20% de raise. Par contre, Dark Diesel, je suis moins convaincu, j'avoue. Et ça, la fin d'haricot hein, pour le monsieur. On va le tuer en full fondoir. Et nice. Cette game expéditive, quoi. Genre, les dégâts. On a montré des dégâts et ça, c'est beau. On a même pas le temps de discuter avec le chat que le Looper Mage vient nous casser la gueule. Bah, super. Ça commence direct. Hein. On se prend un orage directement. On nous vole de la force et on fuit. Bah, super. Bah, super. Moi, c'est pas comme ça que j'accueillerai quelqu'un. Je suis outré. Je suis outré. Alors, on a même pas le temps hein, de se booster. Se booster, là, il nous montre qu'il n'a pas le temps, donc on va lui montrer qu'on n'a pas le temps non plus. Tiens, prends ton 770 pour 3 PA, nos puissances, hein, bien sûr. Et, évidemment, dans la vie où... Ah! Évidemment, dans la vie où mettre bouclier élémentaire, c'est pas très agréable. Non, me retire pas de PA, par contre, hein, genre... C'est interdit par la convention de Genève depuis 753 ans, donc là, honnêtement, ça va mal se passer. Hein. Je le déteste. Je te déteste, en fait, je te déteste. Tu as beau être un fan de League of Legends, je te déteste. On full tape, non? On va full taper, je pense. Après, on peut puissance, ça nous servira pour une petite précision au tour prochain. Allez, on fait ça. Hop, bim, bam, boum, boum. Allez, petit crit, moins 930. Qu'est-ce qu'il y a alors que t'as mis ton bouclier de mort? Ça va aussi, hein. Bon, là, il réduit mes dommages finaux de 25%, c'est pas très agréable. Il joue full régène de vie, hein. Mais n'oubliez pas qu'on peut se vita, au pire. C'est pas vita, hein, par rapport aux autres combats. On est très bien, hein. Il est encore tenté de me retirer des PA ou je rêve? Non, je crois que j'ai dû rêver. Bon, on a les dégâts réduits de 25%, mais s'il croit que ça va le sauver, bah, tant pis pour lui, hein. Je bim, je bam, je boum, je bim, salut! Allez, hop! Non, c'est Damajos!
C'est encore un croc. En même temps, c'est toujours... en fait, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que j'ai effectivement des crocs en face de moi, donc techniquement, je pourrais dire, oh là là, c'est vraiment pas bien, je déteste tout ça, oh là là. Mais en même temps, ils ont peu de... Oh, ils m'ont retiré des PA, j'ai pas vu, je voulais pas voir ça en fait. Mais en même temps, excusez-moi comme je disais, ils ont pas beaucoup de résil, donc techniquement, je peux leur casser la gueule, et ça c'est bien. Si je me décale trop par là, c'est relou, mais en même temps, si je me décale pas... Bon, il a pas la LDV, hein. Même là, il a pas la LDV sur moi, je crois pas. Attends. Non, il a LDV ici, mais pas là. Parfait. On va rester ici. Ce truc qui est relou, c'est qu'il peut mettre une balise là et m'attirer. Ou faire ça. Mais ça, ça va encore. C'est où, Aki? Bonne nuit. Pourquoi être aussi cruel? Putain, pourquoi autant de cruauté chez ces putains de crades de merde? Aïe aïe aïe. Tiens, prends ton 600 là un peu. Il est full taclé en plus. Bon, il va me pousser, il va juste me pousser et me représailler, hein, vous le savez. Oh! Oh! Attendez. Oh putain. J'ai envie de bouder. Si je précise, c'est naze. Juste le fond, là. Tiens, prends... Ah ouais, 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 sacré fondoir ça, hein. 1644, un sort. Pas de conquête. Mais encore. C'est bon, ça va, et t'as plus de trucs pour m'emmerder là quand même, genre au bout d'un certain temps, Jean-Michel. Un peu de respect, hein. Y'en a marre, hein, y'en a marre. C'est bon là, je meurs plus. Y'a plus la mort au bout du couloir. Merci. Et oh, le respect un petit peu. S'il vous plaît. Je ne demande que le respect. Et la mort aussi des cras. Si, quand même aussi. Si, un petit peu. On est contre la classe que je préfère dans le jeu vidéo. D'ailleurs, on l'a déjà croisé ce mec. Je crois. Il avait à peu près le même skin. Ou alors, ils ont tous les mêmes stuff. En fait, je crois qu'ils ont tous les mêmes stuff. C'est plus une hypothèse, c'est une réalité. On va bon ici, histoire d'être sûr de pas se faire toucher. On va forcément se taper Jean-Michel percutante. Ça va être un peu embêtant. Après, il réduit les dommages finaux de 10%. Donc là, prochain tour, il a une flèche punitive. On va essayer d'éviter de se la prendre. Avec notamment une petite emprise. Je pense que c'est pas mal, petite emprise. Ouais, il recule de reculage. Plus là, ce qui est vraiment stylé, c'est que on peut l'emprise et derrière... C'est bon. Vous en faites pas, regardez. J'aimerais que mon menace fonctionne bien. Yes. Voilà, et ensuite petite emprise comme ça là monsieur. Allez, vas-y, montre-moi comment tu te libères. Montre-moi comment que tu fais. Bah tu fais pas. Voilà, c'était la réponse que je voulais savoir. Je viens de prendre du 700. Pour 3 PA. Que la vie est belle. Ouais mais il en est bio aussi. Il en est bio. Voyons le bon côté des choses. Aïe. Alors là, on va faire un truc incroyable, les amis. Qui va ravir la France entière. Une petite précie. La conquête. Fondoir. Oh, attendez. On va zoomer. On va zoomer pour bien voir ce crâne se faire éclater, d'accord? Profitons. On voit pas les dégâts, tant pis. Moins de 2300. C'est pour toi, YouTube. C'est... Je sais pas du tout, effectivement c'était pas un combat très équilibré, machin, mais c'est pour toi, un petit peu. Merci. Ça... Je me sens... J'ai un peu plus de bonté dans ma vie, je pense que ma journée va mieux se passer. Si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, bien sûr. Salut, YouTube. Ce sera pour la fin de la vidéo. Paix et amour sur vous, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Bon bah, team du tournage a résumé plus ou moins l'essentiel, n'hésite pas à mettre le mot TAS dans les commentaires si jamais tu veux augmenter le référencement de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.